Moi, je crois qu'il est possible, entre Corse, parlant le Corse, de se comprendre, chacun utilisant sa variété ou chacun adaptant sa variété à la variété de l'autre, c'est-à-dire en pratiquant ce que j'appelle une tolérance interrégionale sur le plan linguistique. Jean-Baptiste Marcellesi est l'un des pères fondateurs de la sociolinguistique. Cette discipline étudie la relation entre sociologie et linguistique. Ce scientifique a notamment prôné deux concepts, la langue polynomique, à savoir l'enseignement du corse dans le respect des variantes micro-régionales, et la co-officialité, un thème débattu ici par le Parti communiste dont Jean-Baptiste Marcellesi fut membre toute sa vie. La co-officialité, c'est l'obligation pour l'État de prendre un certain nombre de mesures et notamment l'édition des textes bilingues, les actes administratifs bilingues et ensuite la généralisation et éventuellement l'obligation pour les enfants de la langue corse. Jean-Baptiste Marcellesi est décédé hier dans le Var à l'âge de 89 ans. Son apport scientifique, pourtant majeur, a été peu présent dans le débat public lors de l'adoption de la co-officialité par l'Assemblée de Corse.